Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Flash Info Tonto. Comme vous le savez, ces derniers jours ont été marqués par le début de la tute rentrée. À la une de cet événement, l'odontologie et ses tuteurs qui vous présenteront aujourd'hui la mélogénèse. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui va concerner le cours sur la mélogénèse qui correspond à la formation de l'émail par des cellules que l'on appelle les améloblastes. Cette leçon et la leçon sur la dentinogénèse, ce sont deux cours qui sont très importants et qui sont importants aussi de voir dès le départ pour bien assimiler dès le début. Et vous verrez qu'avec la répétition, les cours vont rentrer très vite dans vos têtes et vous allez perfect l'odonto le jour de l'examen. Du coup, le plan de ce cours, on va commencer par les généralités en premier et ensuite on va voir vraiment l'amélogénèse dans son ensemble. On va parler des différentes phases de la vie des améloblastes, un petit peu comme on l'a fait pour les odontoblastes. Et du coup, on verra les améloblastes pré-sécréteurs, les améloblastes sécréteurs sans prolongement de tome, les améloblastes sécréteurs avec prolongement de tome, et ensuite des améloblastes de transition, maturation et enfin protection. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'émail, c'est une structure qui va recouvrir la couronne de la dent. On dit que c'est une structure et non pas un tissu, comme par exemple la dentine ou la pulpe dentaire, car l'émail est acellulaire. Acellulaire, c'est-à-dire qu'il ne contient aucune cellule. L'émail est également avasculaire, donc c'est-à-dire qu'il ne contient pas de vaisseau sanguin, et non innervé, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de nerfs. L'émail, c'est la structure la plus minéralisée du corps humain, bien plus minéralisée que l'os ou par exemple que la dentine. En effet, on décompte 96% de minéraux pour seulement 3,2% d'eau et 0,8% de protéines. Ici, à ce niveau, on a une radiographie et on voit sur cette radio que l'émail, ici, apparaît beaucoup plus blanc, plus radio-opaque que la dentine, ici, et la dentine est donc moins minéralisée que l'émail puisqu'elle est moins blanche, moins radio-opaque. On voit également la pulpe dentaire à ce milieu et on sait qu'elle n'est pas du tout minéralisée. Et donc, si l'on regarde au niveau microscopique, on va voir que l'émail est organisé en prisme et en substance interprismatique. Sur une coupe longitudinale comme ici, on va voir que les prismes de l'émail, ce sont des sortes de tubes qui parcourent l'émail de la jonction amélodentinaire jusqu'à la surface de la dent. Ils vont être entourés de substances interprismatiques. Donc ici, on voit bien les prismes avec, entre les prismes, la substance interprismatique. Si l'on prend maintenant une coupe transversale, on va voir que ces prismes, ils auront une section hexagonale comme ici. L'émail, il est donc organisé en prismes et en substances interprismatiques qui sont tous les deux composés de cristaux ou cristallites apatites carbonatés qui vont être formés d'hydroxyapatites polysubstituées. Petit point sur l'hydroxyapatite, donc vous savez que la maille élémentaire de l'émail c'est de l'hydroxyapatite, elle a pour formule Ca10PO46OH2, formule très importante à retenir, on l'a vu dans l'autre cours. Cependant, on dit qu'elle est souvent polysubstituée. En effet, on a un radical hydroxyle de cette hydroxyapatite qui va souvent être remplacé, soit par du carbonate ou soit par des ions fluor. Les ions fluor, on peut les retrouver dans les dentifrices et en fait leur rôle, ça va être de substituer un ion phosphate pour créer ce qu'on appelle des fluorures de calcium et conférer à la dent une résistance accrue à l'attaque acide pour prévenir la formation des caries. On sait que la carie se forme lorsque le milieu est beaucoup trop acide et qu'il y a une agression de la dent. Maintenant, on va attaquer le vif du sujet et donc l'amélogénèse, la formation de l'émail par l'améloblaste. Déjà, on va préciser que l'émail est d'origine ectodermique. Pourquoi ? Parce que les améloblastes sont issus de la différenciation des cellules de l'épithélium dentaire interne de l'organe de l'émail. L'émail, il faut savoir aussi qu'il se forme uniquement au stade de la couronne. Et lorsque la formation de l'émail d'une dent est terminée, débute alors le stade de la racine. Mais du coup, pour chaque dent, l'émail va se former pendant un laps de temps donné. Donc uniquement pendant l'amélogénèse, une fois que l'amélogénèse sera terminée, il n'y aura plus jamais de formation ni de reconstitution de l'émail. Du coup, pendant l'amélogénèse, on va avoir la formation de l'émail par l'améloblaste. On aura trois phases, donc une phase de synthèse et de sécrétion des molécules de la matrice de l'émail, qui se poursuivra par une phase de minéralisation et qui se finira par une phase de maturation de cet émail. La formation de la dent va commencer au niveau de la pointe d'une cuspide et va se terminer au niveau du collet de la dent. L'amélogénèse, vous l'imaginez bien, suit donc un gradient temporo-spatial de différenciation de la cuspide jusqu'au collet de la dent au niveau de la jonction entre la couronne et la racine qui se situera en dessous. Et sur ce schéma, on voit que l'amélogénèse est terminée en regard de la pointe de la cuspide,
tandis qu'elle n'a pas encore commencé au niveau du collet de la dent. Juste ici, on a une représentation schématique qui décrit les phases de la vie d'un améloblaste qu'on va détailler juste après. Et donc en fait, ça fonctionne un petit peu comme un petit schéma récap, il est vachement bien pour tout bien retenir et tout bien visualiser. On va donc commencer par le commencement et détailler toutes les phases de la vie d'un améloblaste en commençant par l'améloblaste présécréteur. Tout d'abord, il faut savoir que les pré-améloblastes, ils sont issus de l'épithélium dentaire interne, EDI, et ils seront séparés des pré-odontoblastes qui sont juste en dessous par la membrane basale dont on a parlé dans le cours d'antinogénèse. Le pré-améloblaste, il va donc sortir du cycle mitotique et évoluer en cellule post-mitotique qui ne se divise plus. Et cette sortie du cycle, elle sera couplée avec celle des odontoblastes avec un décalage dans le temps de 24 à 66 heures, donc après les odontoblastes. Ici, on a donc un schéma qui va récapituler tout ce qu'on a dit juste avant et on voit donc que dès la sortie du pré-améloblaste du cycle mitotique, on a un améloblaste présécréteur. Notre améloblaste présécréteur va se transformer en améloblaste sécréteur sans prolongement de Toll. L'élément déclencheur de tout ça, c'est la dégradation de la membrane basale par des odontoblastes qui vont produire la première couche de la dentine, qu'on appelle le manteau dentinaire. La destruction de la membrane basale va donc permettre aux améloblastes présécréteurs d'entrer en contact avec le manteau dentinaire, ce qui va induire l'amélogénèse. L'améloblaste sécréteur sans prolongement de Tom va être responsable de la sécrétion d'émail aprismatique. Il va produire une première couche de matrice directement au contact du manteau dentinaire. Il s'agit de l'émail aprismatique interne d'une épaisseur d'environ 10 micromètres. Ici, on voit donc la jonction entre l'émail et la dentine avec la sécrétion de la première couche de dentine qui s'appelle le manteau dentinaire. Et on voit la formation de l'émail aprismatique interne où les cristaux ne sont pas encore organisés, ils n'ont pas d'orientation particulière. Notre améloblaste sécréteur sans prolongement de Tom va donc évoluer en améloblaste sécréteur avec prolongement de Tom, qui sera responsable cette fois-ci de la production d'un émail prismatique mais immature. Donc dès que l'émail aprismatique interne est déposé, les améloblastes ils vont former à leur pôle distal un prolongement de forme conique qu'on appelle le prolongement de Tom. Ce prolongement de Tom il va comporter deux sites de sécrétion distincts, un site de sécrétion proximale et un site de sécrétion distale. Le site de sécrétion proximale va sécréter de la substance interprismatique, SIP, et le site de sécrétion distale va sécréter un prisme. Les deux sites de sécrétion, il faut savoir qu'ils sécréteront les mêmes protéines. Les améloblastes vont former un tapis cellulaire, donc plusieurs améloblastes seront responsables de la synthèse de la substance interprismatique. Par contre, en ce qui concerne les prismes, chaque prisme va être sécrété par un améloblaste unique à partir de l'émail aprismatique interne au niveau de la jonction amélodentinaire jusqu'à la surface de l'émail. Chaque prisme va donc traverser toute l'épaisseur de l'émail. Donc on récapitule les deux sites de sécrétion. On a un site de sécrétion qui est proximal, qui va sécréter la substance interprismatique, et un site de sécrétion qui sera distal et qui va sécréter un prisme. On sait également, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, que les deux sites de sécrétion vont sécréter les mêmes protéines. Et immédiatement après leur sécrétion, ces protéines vont avoir la capacité d'initier la formation des cristaux, on appelle ça la nucléation cristalline, et elles vont permettre de contrôler la forme et la croissance de ces derniers. Comme protéines, on va retrouver l'amélogénine, la tuftéline, l'énaméline, l'améloblastine et les protéases comme la MMP20, mais ce qui va vraiment nous intéresser pour l'instant, c'est l'amélogénine. Maintenant, on va donc parler des amélogénines. Les amélogénines, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des protéines. Ces protéines, elles vont s'auto-assembler et former des agrégats sphériques, donc des petites boules, des sphères, de 15 à 20 nanomètres de diamètre, qui vont comporter de 100 à 200 molécules d'amélogénine. Ces agrégats, on les appelle les nanosphères d'amélogénine. Ces nanosphères vont se lier aux cristaux d'hydroxyapatite et en fait se placer entre ces cristaux. Ça va former du coup un espace entre les cristaux de 20 nanomètres qui correspond au diamètre d'une nanosphère. Ces nanosphères, en s'interposant entre les cristaux, vont contrôler leur orientation et également empêcher une fusion latérale des cristaux en maintenant les cristaux à une distance uniforme. Elles vont également leur conférer une disposition assez régulière dans l'émail pour le structurer. On voit à ce niveau ici les nanosphères d'amélogénine qui sont interposées entre les cristaux d'hydroxyapatite.
Ensuite, on arrive au stade de l'améloblaste de transition. Donc en fait, à la fin du stade de sécrétion, l'améloblaste il aura sécrété une épaisseur suffisante d'émail immature, et à ce moment-là, il y aura 25% des améloblastes qui vont totalement disparaître par le mécanisme d'apoptose. C'est une mort cellulaire. Les améloblastes qui vont rester, ils ne vont plus synthétiser de protéines de la matrice de l'émail, par contre, ils synthétiseront une sorte de lame basale qui sera adhérente à la surface de l'émail immature. On arrive donc à l'avant-dernier stade de la vie des améloblastes avec l'améloblaste de maturation. La maturation, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la phase de croissance en épaisseur mais aussi en largeur des cristaux d'émail. Il y aura deux processus qui vont s'effectuer simultanément. D'une part, l'élimination des nanosphères d'amélogénine qui limitaient la croissance en épaisseur et en largeur des cristaux. Et d'autre part, l'arrivée massive de calcium et de phosphate dans l'émail pour permettre cette croissance. On a donc des améloblastes de maturation qui vont présenter à leur pôle distal deux aspects morphologiques différents, un aspect lisse et un aspect plissé. Il y a un couplage, et on le verra, entre l'aspect du pôle distal et les systèmes de jonction entre les améloblastes. En effet, lorsqu'on a une bordure plissée, on a des systèmes de jonction distaux serrés et proximaux lâches, et inversement pour l'aspect lisse. Moi je retenais simplement plissé, distaux serré et tout le reste en découlait. Ici on a du coup un schéma qui va récapituler tout ça avec deux améloblastes à bordure plissée et deux améloblastes à bordure lisse, et on voit que les systèmes de jonction vont différer selon les sites distaux ou bien proximaux. Ensuite, il faut savoir que les améloblastes de maturation seront modulables. En effet, ils vont alterner de façon cyclique entre une bordure plissée puis une bordure lisse à leur pôle distal. Pendant la phase de maturation, on estime que la bordure de chaque améloblaste changera 5 à 7 fois, mais sera 80% du temps à l'état plissé. Cette alternance de l'aspect cellulaire entre les bordures lisses et les bordures plissées aurait pour rôle une balance entre l'acidification et la neutralisation du pH, une élimination des fragments protéiques, mais aussi le transport du calcium pour permettre la formation des cristaux. Mais alors, pourquoi acidifier le milieu alors que les cristaux se dissolvent dans un milieu acide ? Donc pour que les cristaux croissent en épaisseur, il faudra une acidification du milieu, même si les cristaux se dissolvent mieux dans un milieu acide. En effet, cette croissance, elle se fait si les nanosphères d'amélogénine sont éliminées, et elles sont éliminées par la MMP20, qui nécessite un pH légèrement acide pour fonctionner de façon optimale. Donc, les améloblastes vont sécréter la MMP20 et la sérine protéase 17 et vont présenter dans la région du cytoplasme proche de la bordure plissée une quantité importante d'anhydrase carbonique de type 2 qui va libérer des protons pour acidifier le milieu extracellulaire. Donc, la MMP20 va s'activer en milieu acide et entraîner la fragmentation de toutes les nanosphères d'amélogénine. Au niveau de la bordure plissée, les nanosphères elles vont être résorbées activement par l'endocytose. Au niveau de la bordure lisse, elles vont quitter l'émail et passer entre les cellules pour être absorbées sur les côtés des améloblastes. La dégradation protéique est donc terminée dans les améloblastes à bordure lisse ou bordure plissée qui contiennent tous les deux beaucoup de lysosomes. On peut comparer les lysosomes à des sortes d'estomacs de la cellule qui vont digérer les protéines et éliminer. Attention cependant, l'élimination rapide des agrégats d'amélogénine va libérer les cristaux, mais ces derniers ne pourront croître en épaisseur et en largeur seulement lorsque le pH sera neutralisé. Et cette neutralisation du pH sera elle aussi due aux améloblastes de maturation. On a du coup une différence en fonction de la bordure lisse et de la bordure plissée. La bordure plissée, elle, va sécréter des ions bicarbonate H2CO3, et au niveau de la bordure lisse, on va avoir un passage des fluides interstitiels vers l'émail. Donc, pour permettre la croissance en épaisseur et en largeur des cristaux, il va falloir, comme vous le savez, une arrivée massive d'ions calcium. Ces ions calcium, ils vont arriver du coup dans la matrice amélaire et ils vont provenir des milieux interstitiels, notamment de la circulation sanguine. Le calcium, il va passer activement entre les cellules à bordure lisse, puisque au niveau des cellules à bordure lisse, on a des jonctions distales lâches, donc perméables, qui permettent un transport passif. Mais par contre, au niveau de la bordure plissée, les améloblastes vont participer activement au transport du calcium, parce qu'ils ont une bordure imperméable. Mais par contre, ils posséderont des protéines qui fixeront le calcium dans la cellule, comme les calbindines et les annexines.
Et donc, grâce au calcium ATPase membranaire, les ions, une fois qu'ils sont rentrés, vont pouvoir sortir de la cellule et être incorporés dans la matrice de l'émail en cours de maturation. Vous savez également, du moins je l'espère, que pour permettre la croissance des cristaux, on a aussi besoin des ions phosphates. Ces ions phosphates, ils vont être libérés à partir de phosphoprotéines, comme par exemple l'amélotine, qui va être synthétisée par l'améloblaste spécifiquement à ce stade de maturation. Ensuite, une fois que c'est arrivé dans la matrice de l'émail, on aura des phosphatases qui vont libérer les ions phosphates. Ici, on a un petit récap du transport du calcium. Et donc, on voit qu'à gauche, le calcium passe entre deux cellules à l'aspect lisse. C'est un transport qui est passif. Et à droite, on voit le calcium passer de façon active grâce aux protéines et à la calcium ATPase au niveau des bordures plissées. Une fois qu'on aura eu un apport suffisant en ions calcium et en ions phosphate, les cristaux vont pouvoir croître en largeur et en épaisseur. On voit donc que l'épaisseur passe de 3,1 nanomètres à 29 nanomètres et que la largeur des cristaux passe de 25 nanomètres à 65 nanomètres. L'émail mature, on l'a dit tout à l'heure, ne contient presque plus de protéines ni d'eau. L'eau sera en effet réabsorbée par les améloblastes à bordure lisse. Au final, on se retrouve avec 96% de cristaux, 3,2% d'eau et seulement 0,8% de matière organique. On arrive enfin à la dernière étape de la vie d'un améloblaste, c'est l'améloblaste de protection. Son rôle, c'est simplement de protéger la surface de l'émail mature jusqu'à l'arrivée de la dent en bouche. L'améloblaste, on l'a vu, c'est une cellule qui est exceptionnelle, mais elle est aussi très susceptible au changement de son environnement. Ici, on a le cas d'un excès de fluor. L'excès de fluor pendant l'amélogénèse va provoquer des perturbations de la fonction des améloblastes qui sont censés synthétiser l'émail de façon optimale, mais qui vont du coup former un émail altéré. On a donc un cas de fluorose. Ici, la fluorose est vraiment perceptible sur les deux incisives centrales. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à nous les poser sur le forum. Je vous souhaite une très très belle tute rentrée et un très bon semestre. Gros bisous !